pareil pour guider manuellement le véhicule. Donc il est fait déjà une première fois manuellement. L'appareil enregistre et après il fait automatiquement. Dès qu'il y a l'ouverture des portes arrive. Et quand ça sera exploité, ça sera. Il y aura toujours quelqu'un derrière à TEDx. Alors pour l'instant il y aura toujours quelqu'un parce qu'au niveau législation, il n'y a pas de véhicule qui peut rouler sans conducteur ou sans personnel à bord. Obligatoirement, il y aura quelqu'un à bord d'un véhicule. Voilà, c'est ça. Qui est proprement fermé. Maintenant, aujourd'hui, le plus compliqué, c'est de traverser un carrefour. Pour l'instant, on n'a pas de véhicule qui est encore. C'est pour ça qu'on est sur un site propre fermé. Pour protéger au niveau sécurité, parce que c'est un petit peu compliqué. Parce que le véhicule va se mettre en sécurité s'il n'est pas devant. Et après, manuellement, il faut le relancer. Il y a un radar. Oui, bien sûr, il y a 4 radars, il voit à 180 degrés en fait. Là, il avance à quelle vitesse? Là, il est à peu près à 8 km/h. D'accord. Alors, on peut aller jusqu'à 12 km/h maxi. Ouais, voilà, on n'a pas voulu aller trop vite. C'est la vitesse maximum pour... Voilà, c'est ça. Il est autonome combien de temps, la recharge? Il est prévu à pouvoir rouler pendant 10 heures. Jamais de problème, mais en fait à l'intérieur il faut tout le temps demander parce que ça appartient à l'entreprise.